En tant que vidéaste, on en a pas mal des lumières. Je pense même qu'on en a un petit peu trop, mais en tout cas, moi, j'en manquais. Donc aujourd'hui, je vais passer en review deux produits de la marque Zhiyun. La lumière M20 ainsi que la lumière M20C qui sera elle RGB, qui pourra par exemple m'éclairer avec une petite couleur comme ça sur le côté. Je peux enfin m'amuser. J'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir ces produits et à les tester pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, parce qu'ici on fait des tests tech et tout ce qui se connecte et tout ce qui est en rapport avec la tech, je le teste. Alors abonnez-vous et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir ces deux produits de chez Zhiyun, ces deux lumières. Et comme vous pouvez le voir, mon décor est rempli de lumière. Pourquoi? Parce que quand on est un créateur de contenu et qu'on fait de la vidéo, la lumière c'est essentiel pour avoir un beau décor et également un bel éclairage. Faire en sorte que tout soit bien éclairé, bien mis en valeur, et c'est ce qu'il faut. Alors il y a déjà deux différences entre ces produits, je vais y revenir plus tard, mais ouvrons-les déjà pour commencer. Zhiyun est une marque que je découvre avec vous, même si évidemment je me suis renseigné sur les produits avant de les ouvrir et les tester, je connais toutes leurs caractéristiques. Et déjà, ce que je ressens, c'est que les colis sont assez légers. Pourquoi? Parce que la lumière pèse en elle-même, que ce soit la M20 ou la M20C, elle pèse 200 grammes, ce qui est vraiment pas grand-chose. La M20C est ici, hein, en RGB, et je vais vous expliquer ensuite. Et j'ai reçu le tout avec un emballage pouvant la ranger pour la transporter beaucoup plus facilement. Et ensuite, la M20 qui est juste ici et qui, elle, ne sera pas RGB. Et on pourra non plus la connecter à une application, mais elle va rester tout aussi bien pour faire de beaux éclairages. On va d'ailleurs commencer par la M20. La M20 qui, elle, ne sera pas RGB, mais aura quand même une bonne puissance, tout comme la M20C, elles auront toutes les deux, chacune, une puissance maximale de 20 watts pour l'éclairage. Et vous pouvez la voir juste ici, hein. Elle est complètement carrée, et elle va nous permettre de faire des choses sympas. Il y a des choses pour régler derrière, on peut voir qu'il y a aussi des hélices. Je vais vous expliquer, ça correspond au refroidissement de la lumière. La M20 possède le Dynavor Cooling System, un système de refroidissement pour éviter que la lumière chauffe. On peut être que rassuré. Et voilà, elle est déjà allumée et on est pas mal, hein. On est seulement à 20%. Non, oh là 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 là, ça va être génial pour mes vidéos. Oh là là, c'est excellent. Alors, j'ai pris en main la M20, et puis il faut savoir qu'elle se rechargera en type C par le haut, juste ici. Qu'elle aura donc deux molettes, je vais évidemment vous les montrer quand je vais tester, mais une servira à régler l'intensité, que ce soit par exemple de la température, pouvant aller de 2700K jusqu'à 6500K. Je parle ici de la température, de la couleur, hein. On peut passer en gros d'une lumière plus jaune à une lumière très blanche. Et ce que vous voyez ici, eh bien, c'est tout simplement le support magnétique, on pourra la coller un petit peu partout. Alors, non, pas ici. Sur ma grille, on peut par exemple. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le port qui est ici, qui va nous permettre de pouvoir la fixer à un trépied de façon classique. Et ouvrons donc maintenant la M20C, qui est elle RGB, et qui pourra se connecter également par une application et par le Bluetooth. Et ça, ça va être génial pour faire des réglages, pour allumer ou éteindre la lumière depuis son téléphone, sans avoir à faire le tour de la table quand l'enregistrement est lancé. Ah, là, on a quelques caches qui sont assez intéressants et qui vont nous permettre de faire des choses sympas. Et également, cette grille de nid d'abeille, hein, comme on l'appelle dans le secteur, vous voyez le principe, en réalité, il y a une grille qui va faire en sorte de bien diriger la lumière. Et aussi ceci pour diffuser encore mieux la lumière. Ainsi que ce support qui va nous permettre de diriger encore mieux la lumière. Là, je pense qu'on a des choses très sympas à voir aujourd'hui. La marque Zhiyun marquée en plein milieu de ce support métallique. Alors en réalité, le design et le poids de la M20C est similaire à la M20, sauf qu'elle aura quelque chose supplémentaire, notamment cette grille, ainsi que ces quatre supports qui vont nous permettre de diriger encore mieux la lumière, et également ça qui va nous permettre de diffuser la lumière. Sinon, c'est exactement la même chose, hein. Ici du type C, deux molettes de réglage et évidemment un système de refroidissement de chez Dynavort également encore. Cependant, la M20C aura quelques petites caractéristiques différentes. Notamment, on pourra passer de 2500K à 10000K en termes de température. Et évidemment, on pourra jouer avec des couleurs et faire afficher ce qu'on veut en termes de couleurs. Et on aura également 10 effets d'éclairage, tout comme la M20 qui possède des modes d'éclairage et une puissance de 1950 lux. Et si vous préférez en watts, 20 watts. On aura aussi un réglage du vert et du magenta, et ça vous allez comprendre à quoi ça consiste, hein. Tout simplement, si je suis dans une pièce qui m'éclaire un petit peu trop bleu par exemple, je peux ajouter un peu de vert pour rattraper la chose et faire en sorte d'avoir quelque chose de
mieux balancer. Alors en réalité, ces deux lumières auront quelques petites différences, même si en soi, elles restent très similaires. Par exemple, la M20C aura 2500K jusqu'à 10 000K, tandis que la M20 aura entre 2700K et 6500K. Ça c'était pour la température. Ensuite, sur chacune de ces lumières, nous aurons 10 modes d'effet FX. Le mode SOS, le mode paparazzi, le mode TV par exemple. Et surtout, ce sont des lumières de poche. Elles pèsent 200 grammes chacune. Autant vous dire que je peux la mettre dans un sac à dos et aller me trimballer avec mon éclairage de poche un peu partout. Mais au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte quand vous allez faire un tournage et que vous voulez acheter une lumière, il faut que celle-ci vous suive de A jusqu'à Z. Et il faut qu'elle ait un minimum d'autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie de chacune de ces lumières, on est sur quelque chose qui pourra tenir 40 minutes en puissance maximale, à savoir 20 watts. Je la mets jamais à 100% parce que sinon ça m'éclaire beaucoup trop, à titre de comparaison. Sur du 10 watts, on pourra tenir 1h20 et sur du 5 watts, on pourra tenir 3 heures. On a une batterie de 4500 mAh et un temps de charge de 2 heures. Alors évidemment, il faudra anticiper la recharge de ces batteries pour ne jamais être à court. Voici d'un peu plus près la M20 et la M20C. Elles ont quelques petites différences en termes d'accompagnement et d'accessoires parce qu'avec la M20C, on aura reçu plusieurs accessoires qui vont être très intéressants pour se perfectionner et perfectionner notre lumière sur les lieux de tournage. En plus d'un petit sac pour la transporter, on a reçu cette grille qui va nous permettre de choisir la direction de notre lumière. Et je vais vous montrer ce que ça donne, mais en plus de ça, ça se fixe très facilement vu que c'est aimanté. Pareil pour cette petite plaque qui va venir diffuser la lumière. Je pourrais même la rejeter par-dessus. Et ensuite, voici ce cadre métallique que je pourrais aussi poser par-dessus. Et ensuite, orienter comme j'en ai envie, eh bien, la direction. Voici donc d'un peu plus près, par exemple ici, la M20. Alors, évidemment, on aura le pas de vis comme je vous ai expliqué, la batterie qui apparaîtra ici, le système de refroidissement ici, et également les deux molettes, ainsi que le port en type C, et j'aurai juste à l'allumer, mais j'ai hâte de placer tout ça et tout tester. Hop, je viens par exemple de l'allumer, et je peux faire des choses assez fortes, vous allez le voir. Bon, on va tout placer, c'est parti. Et voici donc les deux lumières, la M20 et la M20C. Alors, la M20 est juste ici, et elle va servir de lumière principale qui va éclairer le personnage qui sera en face. Et dans le but de bien vous montrer l'effet de la lumière, je vais tout simplement éteindre la M20C et laisser simplement l'éclairage de la M20. On aura de quoi gérer l'ensemble des deux paramètres, à savoir la puissance de luminosité. Là, je suis à 100% et à vrai dire, je suis très bien éclairé comme ça. Mon éclairage de base n'éclaire pas autant. Ça, c'est sûr, c'est un éclairage qui datait. Et là, on a quand même quelque chose qui est super bien éclairé. J'ai envie de vous dire, regardez. Voilà, on a quelque chose qui éclaire énormément et on pourra aussi gérer la température. Alors, avec tout simplement l'autre molette et on va pouvoir passer par exemple sur quelque chose de très très clair. Et là, voilà. On est sur quelque chose de beaucoup plus balancé ici qui rattrape avec la couleur chaude dans mon décor. Et en vrai, je pense que je vais plutôt baisser ce paramètre pour avoir quelque chose d'un peu plus chaud. Voilà, j'étais monté très haut dans les cas et là... Voilà, 3000, allez, 3600, 3700, voilà, on a quelque chose de sympa. Alors là, l'hélice que vous voyez, elle tourne, et ça fait pas non plus énormément de bruit, je vous laisse écouter. On est quand même sur un léger bruit, évidemment, parce qu'il y a quelque chose qui tourne, mais c'est silencieux, et au moins ça refroidit, parce que c'est vrai que ça commence à chauffer, mine de rien, à 100%, on a quelque chose qui chauffe. Et on pourra s'amuser avec les accessoires qu'on a reçus. Regardez par exemple ce petit embout qui va tout simplement diffuser la lumière de façon un petit peu plus naturelle. Mais on peut aussi rajouter cette grille qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus dirigé en termes de direction de lumière. Par exemple, en ce moment même, j'utilise la grille d'abeille. Alors c'est-à-dire que ma tête va être bien éclairée et le reste va être moins éclairé. Ce qui va permettre de laisser les lumières de mon décor beaucoup plus vivantes. Et elles vont s'exprimer encore mieux parce qu'elles ne seront pas suréclairées. Et voici à présent, sans la grille, vous commencez à comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir cette toute petite grille. Parce que là, la lumière va suréclairer derrière moi et je vais avoir même une grosse ombre derrière mon siège.
Alors voilà. Voici à présent la M20C qui va nous permettre d'avoir, eh bien, comme je vous ai dit, du RGB. Et ça, ça va être très intéressant pour avoir une lumière qui va éclairer sur le côté un personnage. Ça rend vraiment sympa. Voilà, là on démarre directement avec un peu de violet. Et il faut savoir que sur les deux lumières, quand on appuiera sur ce bouton avec marqué M et Power, eh bien M va changer de mode. Là, je passe en RGB, alors j'aurai tout simplement le choix de régler le rouge, le vert et le bleu également. Donc voilà, je pourrais ajuster. Là, par exemple, j'enlève du vert. Donc ça va me laisser apparaître le rouge et le bleu. Voilà, je me balade avec celle de gauche et je règle celle que j'ai sélectionnée avec celle de droite. Et par exemple ici, j'enlève le rouge, ce qui laisse apparaître le bleu et le vert. Alors voilà, on a quelque chose qu'on va pouvoir moduler, mais un mode un peu plus simple qui va être possible également. Le mode HSI qui va nous permettre d'avoir un degré. Là, c'est le degré de lumière. Alors on va passer par toutes les couleurs. Alors regardez bien, je vais pouvoir avoir quelque chose de rose, de rouge. Voilà, je vais pouvoir faire des choses très sympas. Jaune, vert, bleu, voilà. On a des choses très sympas et on peut tourner dans toutes les couleurs qu'on veut. Le mode FX, alors on a plusieurs modes. Ici on est sur le mode paparazzi qui va nous permettre d'avoir eh bien, des rafales de photos. Le mode candle, donc bougie, donc c'est sympa, ça va défiler. Voilà, plusieurs modes, une dizaine de modes différents. Donc on a pas mal de choses, on a aussi ici respirant, on a Politscar, donc là on pourra changer la couleur et faire des effets assez sympas, aussi la couleur, enfin le mode Firework, alors là on va avoir plusieurs couleurs qui vont défiler simplement, regardez comment j'ai tout éclairé, je suis seulement à 25%, et oui, là je vais augmenter à 100%, on peut faire des choses assez exceptionnelles, la couleur ressort super bien. Et voici ce que ça donne quand je suis entièrement éclairé par une couleur. Petite chose qu'il faut savoir au niveau de l'assemblage, je peux soit la poser sur un classique trépied comme celui-ci, ou sinon je peux simplement la poser au-dessus de ma caméra. Vous voyez qu'il y a un emplacement fait pour cela, et même emplacement qu'on retrouvera ici. Alors c'est-à-dire que je peux prendre ma petite lumière et la placer exactement par-dessus une lumière de la marque. Et ça va permettre de faire des choses très sympas. Voilà, les deux sont placés. Et si je veux, je peux aussi faire quelque chose de très sympa. Si j'ai une surface métallique, je peux simplement venir la poser. Parce que c'est une surface qui est aimantée à l'arrière. Cette petite surface va nous permettre de faire ceci. Maintenant, je vais vous montrer à quel point ça peut être très utile d'avoir une lumière qui peut se connecter en Bluetooth très rapidement et le tout contrôlable depuis une application. Alors ici, à ma gauche, j'ai la M20C qui est RGB et que je peux connecter. Alors, c'est-à-dire que là, j'ai accès à toutes ces caractéristiques et à toutes ces fonctionnalités et je vais pouvoir faire des choses assez sympas. Voilà, hop, je peux tout simplement, hop, par exemple, mettre à 30%. Ensuite, niveau couleur, je peux mettre ce que je veux. Là, je suis passé à 100%, par exemple. Je peux mettre toutes les couleurs que je veux et tout gérer. La saturation ici, hop, voilà. Je peux tout faire. Je peux, par exemple, la passer en vert ou, par exemple, en violet. Voilà, je peux vraiment tout faire depuis le mode couleur. Et ensuite, je peux prendre le mode pic. Donc là, je peux, par exemple, prendre un pixel très précis. Qu'est-ce que je peux prendre Ah, ça va être compliqué parce que je suis biaisé par rapport à la couleur qu'il y a déjà. Hop. Voilà, je peux vraiment m'amuser et faire ce que je veux, et même si j'en ai envie, bah, je peux l'éteindre hein, tout simplement. Alors voilà, ça nous permet de faire pas mal de choses intéressantes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de baisser sa luminosité générale et de la mettre plutôt colorée pour avoir un suréclairage assez sympa. Par exemple, ici on est sur du bleu, ça va suréclairer en bleu, voilà, je la mettrai comme ceci, et là vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Une application très simple, hein, mais c'est vraiment sympa parce que avoir une application trop compliquée sur ce genre de fonctionnalité, eh bien, ça aurait été peut-être un peu perturbant. Là, c'est très simple. Du Bluetooth, pas de Wi-Fi, etc., etc. On connecte et ensuite, on va pouvoir tout simplement modifier comme on veut. Et on a également un mode musique. Alors, la lumière va simplement s'éclairer pendant que je parle. Voilà. À chaque bruit, ça éclaire. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux lumières? Alors, en soi, vu que j'en ai testé deux, je peux vous dire deux choses. La M20C aura quelque chose en plus de la M20. Tout simplement parce que on est
livrée avec quelques accessoires qui vont être super utiles si vous faites de la création de contenu. Une grille, un filtre qui va tamiser la lumière, etc. etc. On a 3 accessoires au total en plus et c'est vraiment sympa. En plus de ça, la M20C va avoir du RGB. On pourra, si on le veut, mettre du blanc ou quelque chose de lumière classique, mais si on le veut également, on peut passer sur du bleu, sur du rouge, sur du vert, et également sur d'autres modes. En prime, on pourra la connecter à une application qui est très simpliste, à vrai dire, l'application, mais ça nous suffit pour pouvoir contrôler comme on veut cette lumière et faire des choses sympas. En vidéo, on a normalement une lumière principale qui va m'éclairer, une lumière qui va rajouter un petit truc en plus, par exemple sur le côté, avec par exemple un éclairage en bleu, souvent, que les youtubeurs font, et une lumière de derrière. Là, si je le veux, depuis l'application, je peux éteindre ou allumer cette lumière et changer radicalement sa couleur. Je viens de passer sur du bleu. On a pas mal de réglages et surtout, ce qui est génial pour ce genre de produit, là, ce sera le refroidissement. Prenez en compte ce facteur pour votre choix de lumière. En tout cas, chez Ziyun, on a opté pour quelque chose de bien foutu en termes de refroidissement pour éviter que ça chauffe de trop et qu'on ait quelques soucis. Sachez que ces deux lumières vont m'accompagner quasiment quotidiennement parce que j'enregistre presque quotidiennement et qu'elles vont m'être très utiles. J'ai confiance en ce produit parce que je vais les utiliser sur le long terme. Le prix est très honnête, une grande flexibilité si on veut par exemple la poser sur un support en métal avec le magnétisme de l'objet ou sinon par exemple sur un trépied ou au-dessus d'une caméra, on a pas mal de possibilités. Ça fait très plaisir et ça va être très pratique pour moi au quotidien. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir le prix en description. Il y aura le lien, n'hésitez pas à aller voir son prix parce que je vous assure que ce soit pour la M20 ou la M20C, on n'est pas sur des prix qui sont non plus exorbitants. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.